S'en mettre sur YouTube, puisque YouTube sort de prison là, vous l'avez mis. Oui, parce que vous mettez les gens en prison, vous, hein. Oui, il n'y a même pas de juge, de jury, de défense, il n'y a rien du tout. Vous foutez les gens en prison comme ça. Mais vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo spéciale pour vous. Ouais, spéciale pour vous là, les petites mains, les petites mains qui travaillent pour YouTube, on vous expliquera ce que vous êtes. Et puis, on vous expliquera d'où viennent les ordres. Et on vous expliquera le merveilleux travail que vous faites en ce moment de supprimer la vérité. Parce que vous ne vous rendez même pas compte que vous aidez la vérité en la supprimant. Faut-il être con quand même, hein. Faut dire, on ne se fait pas beaucoup d'illusions, hein, parce que vous qui travaillez pour YouTube, vous êtes des geeks, vous avez une formation. Une formation. Une déformation de jeux vidéo, c'est le seul truc que vous avez appris dans la vie, hein. Oui, même si vous avez été dans des grandes écoles ou de ne serait-ce quoi que ce soit, c'est que du bidon qu'on vous enseigne. Alors, ça sert à rien l'éducation. On en causera en faisant d'autres vidéos, parce qu'il y a un autre sujet en ce moment avec les enfants et les ados. Bah. Alors, on va passer avec autre chose, hein, parce que j'ai une autre vidéo à faire qui sera là sur YouTube, auquel vous allez comprendre que dalle, parce que vous avez un petit poids dans la tête, vous n'avez pas d'antenne, vous n'avez rien du tout. Vous êtes incapable de capter ce qui va suivre dans une autre vidéo, incapable. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous utilisez les forces dites de l'ordre, hein, sur la planète. Mais ce que vous savez pas, ou que vous voulez pas savoir, c'est qu'il existe une police spatiale. Et il existe une police galactique qui va s'occuper de vos fesses, d'aller voir. Et puis moi et d'autres, on l'appelle. Ah ouais. On l'appelle la police spatiale. Allez voir un peu. Ah ben ça va être pire que dans le gendarme à Saint-Tropez. Hein. Oula, qu'est-ce que vous allez en prendre? Ça va vous piquer les fesses, vous n'avez pas idée. Alors, et puis en même temps, on va vous dire merci parce que vous faites un super travail pour la vérité, parce que vous ne le savez même pas. Bon. Allez, on arrête ce petit avertissement pour vous autres. On s'occupera de votre cas, allez voir. Ça ne va pas être triste. Alors là, on va faire une petite vidéo, on va reprendre les vidéos sur YouTube qui vont se balancer automatiquement sur Odyssée et sur encore une autre chaîne, Crowdbunk, qui va être une opposition. Une compétition, vous savez, les compétiteurs, là. Hein? Alors, on va tous aller là-bas. Et puis, vous perdez plein de clients, plein de pubs, vos sponsors, toutes les grosses boîtes de pubs vont vous tomber dessus. Ça va faire mal rien que comme ça, déjà. Alors, nous, on fait comme dans l'infanterie, on se tire ailleurs. Et vous, bah, vous allez tout perdre. Parce que nous, on vous amenait du monde sur votre MRD de YouTube et vous allez tout perdre. Parce que des centaines et des milliers comme moi se cassent. Tirailleurs. Ouais, infanterie. Voilà. Allez, moi je vous laisse. J'ai une autre vidéo à faire. Où, comme je vous ai dit, vous allez comprendre qui dalle. Mais continuez à vous amuser. Vous n'allez pas vous amuser longtemps. Allez, salut les YouTube.
Salut les superviseurs, salut les grands chefs, grands manitous. Vous savez même pas pour qui vous travaillez. Si, à un certain niveau, à Silicon Valley, ils savent très bien pour qui ils travaillent. C'est pas le sujet, on reprendra ça une autre fois. Là, c'est juste une annonce pour dire, on est de retour sur YouTube. Voilà. Journaliste indépendant, libre, la vie presse, qui dit la vérité, alors que vous la cachez. Salut, à plus. Alors, this is Gabin speaking. Jean-Michel est membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse qui dit la vérité, à l'inverse de ce que vous faites, vous, les grands GAFAM et la grande élite de la planète qui dit exactement le contraire de la vérité. Mais quand on dit le contraire de la vérité, ça pousse les gens à aller savoir ce qu'il y a derrière. Ils vont se demander, mais pourquoi vous cachez la vérité? Alors après, ils vont chercher la vérité, puis ils la trouvent. Alors, vous voyez pourquoi vous travaillez, en fait. Maintenant, cause rage, j'ai dit, je vous ai prévenu dans un petit morceau, là, juste avant, ou que je mettrai ailleurs, on s'en fout, on fera un tout petit message, voilà, juste un tout petit message, de bienvenue, we are back. Et ça va chier, hein, on vous le dit, hein, parce que, en plus qu'on est des vénères, nous, hein, bien sûr, hein, parce qu'on va dans les manifs les couvrir en tant que journaliste libre. Hein, et puis, on est des guerriers aussi. Hein. Là, vous avez vu le samouraï, là? Bon. Et puis, il y en a d'autres aussi, là. Hein, là aussi. Hein, et puis, chez les Indiens. J'ai vécu en Amérique, moi, pendant 10 ans. J'ai été un garde armé, privé, hein, avec toute l'artillerie. Alors, bon, ici, on n'a pas d'artillerie, c'est interdit. Mais l'artillerie du verbe, ça fait mal. Ça va vous faire mal. Alors, tout le monde, ben, j'espère que vous êtes toujours là. Parce que YouTube, quand ils nous mettent en prison pour 2 semaines, 1 semaine pour GGEvolution, 2 semaines pour Golden Sarcy Report. Eh ben, ils donnent des ordres à leur espèce de robot à la con, là, algorithmeux, de nous virer des abonnés, plein, de faire chuter la visibilité de la chaîne et tout ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on regarde ces chaînes-là. Hein. Bah non. Hein. Oh ben non, ils donnent trop d'informations, trop de vérités, trop de trucs, là. Non, non, faut qu'on laisse les conneries, là. Débile, là, oui, là. Mais c'est une erreur de votre part, mais on en causera. Donc, alors, on espère que beaucoup de monde sont encore sur la chaîne Golden Sarcy Report. Et puis, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, vous vous cassez sur Odyssée. Et puis, on va se mettre sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Crowd Bunker. C'est-à-dire, c'est le crowd, c'est la foule. C'est la foule des éveillés, avec tous leurs lanceurs d'alerte, les éveilleurs et tout, les éveilleurs et les éveillés. Ils se fabriquent des bunkers où vous serez interdit d'entrer. Ouais. Faudra montrer un passe pour entrer dans notre bunker. Et vous passerez pas. Non. Ce sera comme la police des Powwow que je connais bien, moi, hein, qui repère les loustics pas clairs et qui leur interdisent l'entrée. Ce sera pareil dans le bunker des éveillés, Crowd Bunker. Alors là, vous allez aussi vous y abonner. Et puis alors, c'est une nouvelle plateforme qui est complètement pour les éveillés, les patriotes et tout ce que vous voulez. Et on peut faire tout ce qu'on veut là. On pourra faire du live. On pourra faire des discussions, des communautés, des tas de choses top niveau. Alors, c'est là qu'il va falloir aller. Et ça marche mieux que Odyssée. Alors, regardez, ça tourne beaucoup mieux. Et les chaînes maintenant de là, ici, elles vont passer automatiquement. Toutes les vidéos, je veux dire, les vidéos qu'on fait ici, là,
elles vont passer automatiquement sur Crowdbunker. Alors, bienvenue les gens sur Crowdbunker. Alors, vous y venez et go, 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 on y va. Alors, je commence une série de vidéos sur les Pléiadiens. Les Pléiades. Oh ouais, bah ça va brancher du monde, il y en a plein qui aiment les Pléiades. Alors, il va falloir faire... je ne sais pas si on pourra même mettre le premier message. On va essayer. Alors, on va faire les avertissements très rapido, alors, dans ce cas-là. Alors, premier avertissement. Les Pléiadiens, ce sont nos cousins. C'est des cousins à nous. Comment ça se fait? Alors, je vais essayer d'être rapide. Il y avait une planète géante qui orbitait dans le système solaire entre Mars et Jupiter, qui s'appelait Malone. Je vous mettrai l'esprit de la planète qui existe encore. Parce que vous pouvez détruire une planète, mais son esprit va rester encore là. C'est comme toute chose, hein. C'est comme vous, les animaux. Quand vous perdez un animal, ben, son esprit, il est là. Hein. Et puis, il peut revenir se réincarner. C'est ce que je fais, moi, avec mes animaux. Donc, l'esprit de la planète est toujours là. La planète, c'est quelque chose de vivant. Donc, l'esprit de Malone est toujours là. C'est le vrai nom, Malone, tel qu'elle est connue. Hein. Alors, il y a eu d'autres noms, comme Maldek, comme plein d'autres noms. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, il y avait donc une planète géante où il y avait une civilisation très avancée, ce qui se baladait en engin volant et tout ça, même dans l'espace. Même dans l'espace, des vaisseaux spacieux, spatiaux et tout ce que vous voulez. Et puis, il se trouvait qu'il y avait deux forces sur cette planète. Il y avait les forces du 1 et ce qu'on appelle les forces de Bélial. Alors, on verra ça plus tard. Hein. Les Bélial et puis tous les noms qui vont avec la... Belzébuth, l'autre, là, le tunnel du Saint-Gothard et tout le bazar, là, et tous les autres trucs, et le Moloch et tout le truc, là. Bon. Alors, il y avait ces forces-là. Problème sur la planète Malone, c'est que les forces de Bélial ont déclenché une guerre et ils ont fait sauter la planète carrément, avec un équivalent d'armes atomiques, si vous voulez. Complètement, la planète explodir. Si vous voulez explodir, il n'y a rien. Capote. Alors de cette planète, comme ils avaient des vaisseaux spatiaux, eh ben, il y a eu un certain nombre d'évacuations et de gens qui sont partis avant que ça explose. Parce qu'ils ont bien vu les missiles arriver au-dessus et puis que ça allait faire boum. Donc, il y a eu une partie des habitants de Malone qui est partie dans différentes directions. Une partie est allée habiter dans les Pléiades. Une partie est allée habiter sur Mars pendant un moment et ensuite sur la Terre. Ça, c'est la race rouge, les Amérindiens, qui ont un sang différent du nôtre. Ça a été vérifié. Médicalement, monsieur, dame, oui, la YouTube, médicalement, oui, c'est du vrai, ça, oui, hein. Et puis, une autre partie est venue sur la Terre, voilà, hein, parce que la planète a explosé, voilà. C'est pour ça que les Pléiadiens nous considèrent comme des cousins. Et... sont plus enclins, disons, ont plus de latitude à venir nous aider plus dans la 3D, 4D, que la Confédération des États-Unis de 5e dimension, bien qu'ils marchent avec, hein, Pléiadien marche avec complet. Mais on expliquera ça après, parce que comme on fait avec des épisodes, ça va être un peu long. Alors, je continue mon explication. Sur la Terre, bien entendu, sont venus les deux. Mon capitaine, c'est-à-dire les forces du 1 et les forces de Bélial. Et comme les forces de Bélial, ce sont des emmerdeurs finis,
et qu'ils aiment bien tout diriger et foutre des ténèbres dans tous les coins, ils ont recommencé la même chose dans Atlantis et ils ont fait sauter Atlantis, quoi. Coupe. Toujours les forces de Bélial, parce que sur Atlantis, les forces du 1 n'étaient pas assez nombreuses. Il n'y avait pas la masse critique pour empêcher la destruction d'Atlantis. Il y a eu d'autres choses. La Lémurie, on verra une autre fois, parce que ça a à voir avec la race rouge, on verra une autre fois. Donc vous avez compris un petit peu là le lien qu'il peut y avoir entre les Pléiadiens et nous, qui sommes les forces du 1 sur Terre, les éveilleurs, les éveillés, ceux qui sont dans les manifestations, les gilets jaunes et tout et tout. Ça, c'est les forces du 1. Je ne vais pas le répéter 10 000 fois, je l'ai déjà dit. Ceux qui ne comprennent pas ça, tant pis pour vous. Hein, allez réveiller vos neurones, là, allez méditer dans la montagne, dans les montagnes, et recevez des énergies du grand soleil central pour vous débloquer vos neurones, là. Si vous n'avez pas encore compris que les gilets jaunes répondaient à la vibration de vérité qui arrivait de l'univers, etc. Tant pis pour vous. Donc vous comprenez le lien entre les Pléiadiens et nous, ça y est, vous avez pigé ça. Ok. Deuxième avertissement. Alors, les informations que je donne, moi, des Pléiadiens, viennent de Valérie Donner. Alors, Valérie Donner, c'est un instrument, c'est une messagère des Pléiadiens en ce moment, et également de la Confédération intergalactique de lumière, hein, à ne pas confondre avec la Confédération galactique de l'ombre qui est autre chose. D'ailleurs, on va vous expliquer tout de suite. Alors, Valérie Donner reçoit donc en PES Solex, hein, vous voyez mes vidéos de cours de télépathie, toujours là, vous allez chercher là, dans mes publications. Et Valérie Donner faisait partie, dans les années 90, ouais, par là, 90 jusqu'à la fin 90, d'un groupe qui s'appelait le Ground Crew, qui était basé à Maui, Hawaii. Maui, Hawaii, voilà, et qui publiait des communiqués de la Confédération Galactique. Avec celui qui les publiait était un certain Sheldon Needle. Je crois que c'est Sheldon Needle, voilà. Enfin, c'était l'éditeur, on va dire, voilà, c'est celui qui publiait. Mais la véritable communicatrice, c'était Valérie Donner. Hein? Alors, à un moment donné, au début, c'était à peu près correct, ce qui était publié. Et puis, à un moment donné, ça a viré la cutie complet. Vous savez, comme ceux qui tournent leur veste en politique, là, pareil. Ça a viré complet. Et puis, c'était plus des informations qui venaient de la Confédération Galactique de Lumière. Mais c'était des informations qui venaient de l'autre. Ouais. De la Confédération Galactique de l'Ombre. Basée sur Sirius. C'est pour ça que le Sheldon, il se mettait à parler en syrien et il disait c'est nous Sirius, voilà, tout ça, tout ça. Alors, Valérie Donner a dit moi, je m'en vais, je suis plus dans votre truc. Hein, puisque vous n'êtes pas avec la Confédération Galactique de Lumière, vous êtes avec l'autre. Alors moi, je m'en vais. Puis de toute façon, c'est moi qui reçois les vraies communications en PES Solex. Et là, vous avez mis du pas bon. Hein. C'est pas moi ce que j'ai reçu, ce que vous avez tout transformé, ça ne va pas. Elle est partie en emmenant l'ordinateur et toutes les archives. Elle est partie s'installer en Californie, sur la côte ouest des États-Unis. Et elle a commencé à faire sa propre... son propre domaine à elle, Valérie Donner, et là elle donne surtout des communications des Pléiadiens. Voilà. Et bien sûr, après, quand Valérie est partie,
Monsieur Sheldon Needle était paumé. Il a changé son nom en Sheldon, moi je sais plus. Et puis il est parti complètement dans des informations de l'ombre et des reptiliens, et etc. Donc c'était complètement oublié. D'ailleurs, ça n'existe même plus aujourd'hui, puisque les gens ont compris que ça n'allait plus du tout et que c'était plus du tout ce que c'était avant. Parce que la vraie communicatrice, la vraie transmetteur, c'était Valérie. Alors on y va, un petit morceau donné par Valérie. Go, bougez pas.